avant pour regarder en haut le plus beau de ses sourires, le meilleur qu'elle a arrêté même pour se planter. Je voudrais préciser, à l'état civil, c'était Cocola Viva. Ornella, il s'était. Dorénavant, c'est Madame Kwame. Wow. Et je précise qu'elle est chrétienne, elle est convertie depuis 2014 et elle est baptisée depuis 2014, à la même année. Acclamons le Seigneur. J'ai mis le fond. Que... Yeah! Yeah, 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 yeah.
face aux hommes là-bas. On peut acclamer Dieu pour ce choix qu'il a fait. Voilà. Maintenant, ton père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Donc on estime que, à dater de cet instant, tu as quitté ton père, Abana. Tu as quitté ta mère, Abana. Tu as quitté la maison de ton père, la maison de ta mère. Et tu t'es attaché à Ornella. C'est ça, non? Tu peux la regarder? C'est celle qui te parlait, n'est-ce pas? Il n'y a pas une ailleurs? Hein? On a tous témoins, hein? C'est la femme de ta vie. Acclamons le Seigneur Jésus, notre frère. Voilà. Donc, ça dit, tu quittes, tu as quitté la maison de ton père. Voilà. À l'heure actuelle, il n'y a plus une décision de la maison de ton père qui doit, n'est-ce pas, empiéter sur votre relation. Ce n'est pas possible. Voilà. Si la décision vient empiéter, c'est que c'est toi qui auras voulu. Parce que la Bible déclare que tu dois quitter. Bon, il y a des gens qui se marient et puis sont encore en famille. Sacrilège. Il faut dire sacrilège. Ce n'est pas bon. Et quand c'est comme ça, les parents ont leur regard, ils regardent trop dans la vie des gens. Et ce n'est pas normal. Parce que Zacharie a fait ce choix, c'est parce qu'il a trouvé bon qu'il est mature, qu'il peut lui-même prendre ses propres décisions. Bien sûr, avec son épouse et gérer la vie en tant que telle. C'est ça, c'est que tu as mûri. Tu as mûri, nous voulons bénir Dieu. Vous pouvez vous asseoir un instant. Donc, tu t'attacheras à Ornella. Et l'homme. Merci. Madame Kwame. Tu vas te lever, aider là. Merci. Donc ça c'est Antoine. Voilà. Donc on va passer à la prestation du serment avant de les bénir. Amen. Parce que c'est vraiment sacré. Vous savez, le mariage, c'est pas n'importe quoi, c'est tout un engagement. C'est comme ceux qui commettent l'adultère seront jugés avec la dernière énergie par l'Éternel. Donc ce qui est en train d'être fait, Dieu est témoin. Jésus est témoin, les anges sont témoins, les mauvais esprits sont témoins et les hommes sont témoins. Donc mon frère Alain, tu vas prêter serment. Donc tu as la parole, tu t'es déjà évité là, tu vas aller nous suivant. Moi, Kwame Yao Alain Xavier, j'accepte de prendre pour épouse Cocola Private Ornella pour toute ma vie sur terre. Merci. Je te promets devant Dieu et son Église et devant cette multitude de témoins ici présents de vivre avec toi dans les liens sacrés du mariage en accord avec les injonctions de la parole de Dieu. Je te promets de te garder et de t'honorer. Je te promets solennellement devant Dieu et son Église, d'être ton aimable et fidèle époux. Je te promets d'être loyal et sincère avec toi, dans toutes les conditions de la vie, dans la santé comme dans la disette. Je te promets de rester attaché à toi et à toi seul, jusqu'à ce que la mort nous sépare sur cette terre. Je te promets de te permettre d'adorer et de servir librement ton Dieu et Père, Maître suprême de la famille, en obéissance totale à sa parole. Je te promets, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, de réaliser tout ce serment par sa grâce infinie. Et tout le peuple dit Amen. Moi, Cocola Private Ornella, j'accepte de prendre pour époux Kwame Yao Alain Xavier pour toute ma vie sur terre. Si. Je te promets devant Dieu et son Église et devant cette multitude de témoins ici présents de vivre avec toi dans les liens sacrés du mariage en accord avec les injonctions de la parole de Dieu. Je te promets de te garder et de t'honorer. Je te promets solennellement devant Dieu et son Église d'être ton aimable et fidèle épouse.
Je te promets d'être loyal et sincère avec toi dans toutes les conditions de la vie, dans la santé comme dans la disette. Je te promets de rester attaché à toi et à toi seul jusqu'à ce que la mort nous sépare sur cette terre. Je te promets de te permettre d'adorer et de servir librement ton Dieu et Père, Maître suprême de la famille, en obéissance totale à sa parole. Je te promets, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, de réaliser tout ce serment par sa grâce infinie. Le peuple dit Amen. Dieu les visite dans tous les compartiments de leur relation. Et nous leur prions le Seigneur, bénissons ce nom. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es l'interprète. Tu as la main sur tes enfants. Nous voulons que les confier. Les voici. Donc nous annonçons l'arrivée du pasteur de Holy Ghost à Sébélé, acclamant le Seigneur de Dieu. Bonne arrivée. Sans prier pour le résultat. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps qui nous a été favorable. Les enfants vont aller vers Paillet pour la réception. Tu les accompagnes et tu bénis notre Père Dieu. Tout ce qui se fera. Merci de prendre le contrôle de toutes choses et nous finirons en beauté. Que toute la gloire te revienne. Je suis là, 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 je su
changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a réussi. Changer mon histoire, 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 changer mon présentation. Et ça va pas présenter.
Je vois la bénédiction, je vais se présenter. Teacher, prends le micro. Parle fort, Nathalie. Est-ce que vous avez entendu? Je dis, je suis mise à je vous suis pour le parateur. Je vais m'approcher de. Je vais m'approcher facilement. Il va se présenter. Hugues, avant qu'il ne se présente, permettant de noter qu'à l'applaudiment, les amis et collègues de notre maintien tiennent la palme d'or. On te donne à l'applaudiment les amis et connaissances de par rapport à la palme d'or, vous applaudissez plus que tout le monde. Voilà. Merci. Moi, j'espère qu'ils sont contrôlés. Que Dieu bénisse les mariages. Que Dieu bénisse les mariages. Ce sont les paroles adressées à l'endroit de monsieur Madame Pamé, là-bas d'Achille. Je continue toujours avec mon micro-baladeur et je sais que je vais rentrer dans la famille très très proche. J'ai eu l'occasion de la voir à l'église. On m'a fait savoir que c'est le témoin de madame. Je pense que peut-être certains l'ont vu d'autre part. L'occasion m'est donnée ici de mieux la voir. Et elle va adresser quelques paroles. Quand ce moment va se présenter, elle va adresser quelques paroles à monsieur madame Kwame. Je suis madame Gar. Vraiment, je suis très content d'être à cette célébration. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu bénisse le groupe Kwame et qu'après ce mariage, le grand port s'ouvre devant eux, les portes du travail, de l'enfantement et que lui ait la parole de mon poids dans leur foyer. Amen. Acclame le Seigneur, merci maman. Thank you.
Pour le couple, et il vient de monsieur Tapé. On l'appelle Jérôme. Monsieur et madame Tapé Jérôme, tu offres cette enveloppe au couple. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, papa. Merci à tout le village. Merci à tous ceux qui vous ont accompagnés. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, nous pouvons continuer. C'est la table de compagnie. Je vais te dire, c'est là. Voilà. Continue. Oui, venez voir. Il m'a touché, je sens le feu.